Vas-y, ça va. Vas-y. C'est que jouer une CAN dans son pays, c'est un plaisir. C'est vrai que c'est un challenge, mais en même temps, c'est un plaisir. Vous devez le vivre, les gars, à 100%. Le football va tellement vite. Pour vous dire la vérité, je vous envie. La CAN à Abidjan, de beaux stades. Nous, avant, on jouait au Félicia. Aujourd'hui, vous avez 4 stades, 6 stades. C'est magnifique, les gars. Vous devez vous donner à fond. Les gars, simplement, essayez d'en profiter au maximum. C'est ce que vous devez faire. On joue une groupe. Très, très chaleureux, beaucoup de, je crois que l'ambiance plus ou moins bien, ça va. Parlez les gars, je suis très content. Je revois mes anciens docteurs, professeur Bana, mon vieux père, et puis il y a, c'est comme si je reviens à la maison en fait. Ça me fait énormément plaisir. Et je vais essayer de faire le maximum pour être là plus souvent à côté de vous, essayer de parler si vous voulez parler, si vous voulez qu'on rentre dans certains détails. Je peux essayer de venir vous voir, rendre visite si vous voulez. Mais les gars, simplement. D'abord, ça commence demain. On va jouer le Mali demain. Essayez de vous donner à fond. Je serai là, je vais vous soutenir, vous supporter. Et puis, j'espère que vous allez faire bonne figure. Parce que la CAN en Côte d'Ivoire, les gars, c'est pas donné. Abidjan, c'est doux. Hein. Comme vous voyez, c'est trop intéressant. On est allé au Ghana, on est allé dans d'autres pays, mais Abidjan, les gars. Le plus important pour moi, c'est que vous ne regrettez pas de ce tournoi que vous allez passer, là, les gars. Ce sera un beau tournoi. Donnez-vous à fond et puis c'est tout. Thank you.